Picasso ou Dali? Picasso, d'un côté, il y a son œuvre, que génial. Mais de l'autre côté, le personnage peut-être un peu... qui porte un peu à controverse. Dali, allez, Picasso, Picasso, parce que j'aime bien le côté déconstruit, j'aime bien le côté un peu fou, un peu allez, on y va, on se met dedans, quoi. Photo ou vidéo? Moi, j'aime bien les deux. Je dirais bien les deux. Mais peut-être plutôt photo quand même, puisque j'ai plutôt une base de photographe. C'est vrai que, ouais, photo. Noir et blanc aux couleurs. Ah, moi j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur, le côté saturé parfois des couleurs qui vont ressortir, qui font sortir des éléments. Ça, c'est chouette. Ah, original. Totalement original. Plus que retouché, parce qu'original, c'est... Il y a un côté, on est vraiment dans la matière, on a les choses qui se passent devant soi, alors bon, retoucher, ça peut faire penser à la peinture, on peut imaginer qu'on crée la chose, mais non, original. Argentique ou numérique? Argentique, totalement, convaincu. C'est bien le numérique, mais bon, l'argentique, il y a cette couleur, cette odeur, cette texture qui est... Allô à l'huile. Allô quoi? Je veux dire, allô. Espagne ou France? Ouais, j'ai un petit coup de cœur pour l'Espagne, je crois. Ouais. L'Espagne, c'est un peu mon deuxième pays, on va dire, et là où j'ai eu les plus belles expériences. Mais bon, maintenant la France, ça se passe bien aussi. J'ai eu la même question il n'y a pas longtemps. PSG, Real Madrid. Je suis pas très foot, moi, vous savez, ces trucs-là de tirer dans les ballons et tout, qui roulent, on court derrière, trop bien. Je dirais juste pour embêter les Parisiens, Real Madrid, quoi. Feutre ou crayon? Crayon, parce qu'on peut travailler la matière, on caresse comme ça, et puis ça s'estompe, c'est beau. C'est la même chose, non? Non, ben, crayon de papier. paysage, hein. Je crois que les élèves ils l'ont vu, hein. Je suis toujours en train de dire un paysage de points, un paysage de mots. Paysage. Merci beaucoup. De rien. À bientôt.